Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la notion d'allèle. Nous avons vu que les individus d'une même espèce présentent les mêmes gènes localisés au même endroit sur leur chromosome. Cependant, chaque individu présente des variations individuelles de ses caractères. Dans cette vidéo, nous allons étudier le caractère groupe sanguin. Il existe plusieurs phénotypes possibles. On peut être de groupe A, B, AB, ou O. La différence de ces phénotypes est due à la présence ou non de molécules sur les membranes des globules rouges. Nous avons vu qu'un gène est une portion de chromosome. Le gène codant pour le caractère du groupe sanguin est appelé le gène ABO et se situe en bas du chromosome numéro 9. Ce gène ABO peut prendre trois formes différentes. Il peut prendre la forme de l'allèle A et il entraînera la formation de molécules A. Il peut prendre la forme de l'allèle B et permettra la fabrication de molécules B. Ou alors, il peut prendre la forme O et là, aucun marqueur ne sera fabriqué sur les membranes des globules rouges. Les chromosomes vont par paire dans les cellules. On va donc avoir deux gènes et donc deux allèles dans les cellules. Comme nous avons deux exemplaires de chaque gène, il va donc falloir étudier toutes les combinaisons possibles d'allèles. Par exemple, on peut avoir deux allèles A, un allèle A avec un allèle O, ou un allèle A avec un allèle B, ou deux allèles B, un allèle B avec un allèle O, ou deux allèles O. Il est facile d'identifier le caractère si les allèles sont identiques. Par exemple, les deux allèles A vont entraîner la fabrication de molécules A. Les deux allèles B vont entraîner la fabrication de molécules B. Et enfin, les deux allèles O ne vont pas entraîner de fabrication de marqueurs. Si on prend l'exemple avec l'allèle A et l'allèle B, on remarque que les deux allèles vont s'exprimer et entraîner la fabrication des molécules A et des molécules B sur les globules rouges. Si on prend l'exemple de l'allèle A et de l'allèle O, on remarque que l'allèle A s'exprime et va donner des molécules A sur les globules rouges. Prends l'exemple de l'allèle B et de l'allèle O, on remarque que l'allèle B s'exprime et va entraîner la fabrication de molécules B sur les membranes des globules rouges. Si on récapitule tout ça dans un tableau, nous avons nos quatre individus étudiés avec leur caractère. Les combinaisons d'allèles possibles sur la paire numéro 9, donc pour quand on est de groupe sanguin A, soit on a deux allèles A, soit un allèle A et un allèle O. Groupe B, soit deux allèles B, soit un allèle B et un allèle O. Groupe AB, une seule possibilité. Groupe O, une seule possibilité. Pour comprendre les relations entre les allèles, il faut donc regarder comment ils s'expriment les uns par rapport aux autres. Si on prend l'exemple de l'allèle A et de l'allèle O, on remarque que l'allèle A s'exprime. On dit donc que l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle O. Si on prend l'exemple de l'allèle B et de l'allèle O, on remarque que l'allèle B s'exprime par rapport à l'allèle O. On dit que l'allèle B est dominant par rapport à l'allèle O. L'allèle O est donc non dominant par rapport à l'allèle A et l'allèle B. On dit qu'il est récessif. Il faut qu'il soit en deux exemplaires dans la cellule pour pouvoir s'exprimer. Dans l'exemple du groupe AB, on remarque que cette fois-ci, l'allèle A et l'allèle B s'expriment. On dit que les deux allèles sont codominants. Tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes.
Mais comme il existe plusieurs possibilités d'allèles pour un gène et que sur chacun des chromosomes d'une même paire, les allèles peuvent être différents, les individus d'une même espèce présentent des variations individuelles héréditaires. À bientôt!